Salut tout le monde, c'est Irito, votre humble serviteur. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de trois artistes que j'apprécie énormément. DJ Léo, Kérosène DJ et Debordo Lil Koffa. Oui, beaucoup se demandent pourquoi je dis que Kérosène exagère. Effectivement, Kérosène exagère tout. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après le générique. Concernant Debordo, j'ai dit arrêtez de mentir sur Debordo. Arrêtez. Arrêtez de faire genre sur Debordo. Voilà. Maintenant, concernant DJ Léo, il parle d'aider les gens. Ok, il n'y a pas de problème. C'est de tout cela qu'on va parler. Merci de rester connecté. Si vous me regardez pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo-là. Surtout, surtout, laissez vos avis en commentaire. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Hier s'est tenu le tournage du clip African Child de la reine Yoz en featuring avec Dolizena Debordo. En tout cas, ce que je peux vous dire, bien que ce soit un clip humanitaire, mais ça sera un clip de pro, parce que ce sera un clip qui promet dans une ville historique de la Côte d'Ivoire qui n'est autre que Dabou. Donc, chers abonnés, en attendant la sortie officielle de ce clip-là, du titre African Child de la Reine Yoz, allez dans la description, allez lui donner de la force et surtout commentez son audio, donnez vos avis et partagez le lien de cet audio-là. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Voilà, je répète encore, DJ Kérosène, tu exagères trop, tu fais trop genre, c'est toi seul Dieu t'a béni. Chers abonnés, je vous explique maintenant pourquoi j'ai dit DJ Kérosène exagère. J'avais pas bien écouté son prochain hit. Et comme moi, je pense avoir l'oreille musicale, je peux vous dire que le morceau de Kérosène qui arrive là, franchement, ça sera du lourd. Voilà pourquoi je vous dis que Kérosène exagère. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, tout ce qui sort, ce sont des hits. Tout ce qui chante, ce sont des hits. Donc ce long moment que tu avais fait en Suisse, où c'était chaud sur toi, là, tu t'étais préparé. Apparemment, Dieu t'a grandement béni. Apparemment, maman même t'a largement béni. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un artiste puisse sortir que des hits comme toi. C'est vrai que tu ne fais pas trop de bruit. Mais franchement, ces 5 dernières années-là, tu les as amplement marquées. Tu as posé ta signature dans ce coupé décalé là. On dit le coupé décalé gospel. Vous savez, quand il y a un style musical, il y a beaucoup de dérivés. Voilà. Chacun se sent bien dans son registre. C'est bien qu'on souhaiterait vous voir dans les animations, dans les morceaux dansants. Mais tant que vous vous auto-proclamez artiste coupé décalé, il y a foyer, ça gère. Et c'est la culture ivoirienne qui se vend très bien. Nécessairement, hein, faut doser un peu. Faut faire de la place aux autres. Les autres là, c'était des faisaient des hits. Mais toi, depuis que tu as commencé là, tu enchaînes que des hits. Tu fais comment? C'est parce que maman t'a trop béni ou bien c'est parce que toi seul Dieu t'aime trop. Parce que tu dis dans ta chanson, dans son prochain hit, dans ce prochain tube qui sort là, que on peut être dans le même quartier, mais tu vas avoir l'impression que c'est chez moi seulement le soleil brille. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous êtes dans le coupé décalé, vous tous vous chantez. C'est vrai que personne parmi vous a faim, mais sincèrement, on a l'impression que c'est chez toi seulement que le soleil brille, parce que c'est que des hits que tu enchaînes. Ah, Kérosène, tu exagères. Moi, il te dit ça, ça te fait mal, mais tu exagères. Faut faire des flops souvent. Souvent, vous sortir des morceaux qui ont passé inaperçus. Même quand au début, c'est bizarre, à la fin, ça prend. Et pour ce que j'ai entendu là, franchement, je peux inviter tous mes abonnés à aller s'abonner à la chaîne de DJ Kérosène. Parce que le morceau qui arrive là, s'intitule Lulu. Et franchement, c'est pas du jeu. Grand, tu es un patron. Tu es un patron. Tu as trouvé ton registre. Et j'en suis fier. Mais souvent là, faut nous faire plaisir. Parce que moi, il dit aux gens depuis ici que tu es un grand animateur. Ils pensent que c'est de l'amusement. Fais un petit morceau de 3 minutes ou de 4 minutes au plus où tu vas leur montrer que tu chantes avec le cœur. C'est pas parce que tu sais pas faire des animations, mais c'est pas parce que tu sais pas faire des appels à coups. Il faut nous sortir un truc seulement comme ça. Je sais que Lulu, ce sera un hit parce qu'il a commencé déjà à cartonner. Beaucoup de vidéos, de démos déjà commencent à courir la toile. Franchement, big respect, Kérosène. Tu es un patron. Tu es un patron. Actuellement, les légionnaires sont branchés. Ils se disent hey, Erito va nous dire quoi encore? Je vais m'occuper de vous à la fin de la vidéo. Parlons de DJ Léo. Est-ce que vous savez que DJ Léo est l'un des artistes coupés décalés les plus prolifiques? Il ne fait pas bruit, mais quand il sort un morceau, ça cartonne. Il avait sorti un dernier morceau bien, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a une semaine seulement. Mais il est déjà à plus de 350 000 vues en une semaine seulement, sans bruit, sans com.
Il faut respecter cet artiste-là, hein, c'est pas petit artiste. Donc, s'il y a mes abonnés qui ne savent pas que Didi Leo a sorti un tout dernier qui est très intéressant, très dansant et très bien chanté, je vous informe, il a sorti un dernier Didi Leo, il faut aider. Vous tapez dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Didi Leo, il faut aider, le clip va sortir. Voilà, il a tourné le clip dans un coin très célèbre actuellement à Abidjan, le Bambou 6 aux deux plateaux. Le clip est beau, la chorégraphie de ses danseurs est très bonne. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié. Donc je vous invite à aller donner de la force, à aller visionner le clip de l'artiste Didi Leo que j'ai vu en retard, mais il n'est jamais trop tard pour faire la promotion de ces artistes qu'on préfère. Donc j'invite tous mes abonnés à aller regarder le clip, à aller vous abonner à la chaîne de Didi Leo. C'est un bosseur, c'est vrai qu'il ne fait pas grand bruit, mais c'est un grand chanteur, c'est un grand acteur du coupé décalé qui a fait danser la Côte d'Ivoire et qui continue de faire danser la Côte d'Ivoire. Allez vous abonner à la chaîne de Didi Leo. Allez partager le lien de son clip. Soutenez tous vos artistes ivoiriens. Même ceux qui ne se connaissent pas, leur place. Même ceux qui ne se connaissent pas. Même ceux qui s'oublient, comme les Didi Leo là. Et, non, excusez-moi, comme les Vétulolas là. Soutenez-les quand même. Mais quand il y a la vérité à leur dire, il faut toujours leur dire la vérité. Voilà. Didi Leo, il faut aider, est disponible. Ça fait plus d'une semaine. Sans bruit, il a plus de 350 000 vues. Allez envoyer ce clip à 1 million, s'il vous plaît. Voilà, Didi Leo le mérite amplement. Voilà, encore soutenir maintenant les artistes qui ne font pas trop de bruit là. Les artistes qui travaillent dans l'ombre là, encore commencer à les soutenir. Parce que Didi Leo en fait partie. Voilà, comme Kérosène qui est en train d'exagérer en enchaînant des hits là. Il faut aussi soutenir Didi Leo. Voilà, vous connaissez Didi Leo, c'est profitant de la vie, c'est jalousie, c'est des hits seulement. Voilà, c'est des hits seulement. Sans bruit. Voilà, il faut qu'on précise cela. Ce sont des hits sans bruit, sans... Voilà, vous connaissez Didi Leo, le Dangoro, le cadeau du ciel. Il faut aider aussi Didi Leo à vous aider, à vous faire danser. Voilà. Maintenant, Debordo Likoufa. Vous savez quoi? Je faisais des vidéos ici où je disais que Debordo Likoufa, on t'attend, tu es en France encore à nous faire des vidéos. Il y a des gens qui sont trop parents de Debordo là, qui sont venus me dire en commentaire, tu parles sans même vérifier, tu parles sans avoir les informations Debordo à Abidjan. Or, vous qui ne savez pas, là, Debordo est arrivé à Abidjan ici. Il a foulé le sol ivoirien avant-hier nuit. Voilà, mes contacts l'ont aperçu à bord de sa Mercedes. Donc, quand je vous dis d'arrêter de mentir sur Debordo, arrêtez de mentir sur lui. Moi, je ne viens pas parler de Debordo parce que j'ai envie de parler de Debordo. Voilà. Souvent, je fais des vidéos fun, certes. Mais quand je parle, c'est parce que je me renseigne beaucoup. C'est parce que je m'informe beaucoup sur l'actu de l'artiste, sur l'actualité de l'artiste. Donc, arrêtez un peu. Vouloir venir faire passer quelqu'un pour un faux, pour un racontard, c'est pas bien. Voilà. Debordo, que vous parlez de lui, vous l'aimez trop, vous avez trop son agenda là. C'est avant-hier nuit, il est sorti de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il n'était pas encore à Abidjan. La vidéo est là. Vous avez laissé plein de commentaires, je ne sais pas. Il peut vous dire qu'il rentre tel jour et puis il rentre le jour qu'il voudra. C'est pas parce qu'il vous a informé qu'il rentre tel jour ou bien vous avez appris qu'il arrive tel jour qu'il est forcément à Abidjan. C'est avant-hier nuit seulement que Debordo est arrivé à Abidjan ici. Avant-hier nuit seulement. Qu'est-ce que vous gagnez à vouloir me rabaisser, à vouloir me salir, à vouloir me diminuer et souvent à vouloir mentir sur le nom de l'artiste? Bon, vous dites qu'il était là il y a longtemps. Moi, je vous dis que c'est avant-hier qu'il est arrivé. Qui sort là dans tout ça? Hein? On n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à liker les vidéos, on n'a qu'à faire de beaux commentaires, on n'a qu'à s'entraider. Il ne faut pas en faire genre. Voilà, je vous ai déjà dit ici, il n'y a pas quelqu'un qui aime des Bordeaux que moi. Voilà, peut-être que j'aime pas Debordo que vous, hein. Mais parmi vous là, vous les super fans, il n'y a pas un qui aime Debordo que moi. Moi, en plus de l'aimer, là, il fait sa promotion. En plus de le clasher souvent, là, je fais sa promotion. Donc moi, respectez-moi. Vous restez seulement derrière vos écrans, sur vos claviers de téléphone pour commenter, c'est tout ce que vous savez faire. Moi, en plus de le clasher là, en plus de lui dire mes vérités là, quand il sort une œuvre là, je fais la promotion de ça. Quand il a une actu là, je parle de ça. Donc respectez ça au moins. Ok? Voilà, ciao, c'était Eritor.